Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de tester un tout nouveau concept avec vous. En plus d'être prof de piano et pianiste, je compose également pas mal au piano et je trouvais ça intéressant de composer dans le style de certains pianistes très connus pour essayer de capter un petit peu quelles sont les mécaniques derrière les morceaux et essayer de repiquer quelques techniques des plus grands. Donc je vais tenter aujourd'hui de composer un morceau dans le style de Ludovico Einaudi. Pourquoi? Parce que c'est un compositeur et pianiste qui m'inspire énormément et j'apprécie énormément sa musique que je trouve très belle et très simple, mais ultra efficace. Le mot qui définit le mieux Ludovico Einaudi pour moi, c'est simplicité. La plupart des morceaux d'Einaudi durent 6-7 minutes et ne comportent la plupart du temps que 4 accords. Donc pour commencer un morceau comme Einaudi, il faut choisir 4 accords magiques que j'ai choisis en ré mineur, donc ré mineur, fa, do et si bémol. Donc la structure des morceaux est très simple, il y a 4 accords et souvent la mélodie ne comporte que 4 ou 5 notes et tourne autour de ces accords-là. Voilà, maintenant qu'on a notre thème principal, on va pouvoir faire des variations dessus, comme le fait Einaudi. Donc la première variation va consister à mettre une quinte et une octave à la main gauche. Et de ce fait, on va rajouter un peu de rythme sans rien changer ni à l'harmonie ni à la mélodie. Donc le but dans cette musique-là, c'est que à chaque variation, on monte petit à petit en puissance. Donc la deuxième variation, on va doubler les croches à la main droite avec des arpèges et on va rajouter une quinte et une dixième cette fois-ci à la main gauche pour donner encore plus de rythme. Voilà, ensuite on va garder exactement le même rythme, les mêmes notes, mais on va jouer la main droite une octave au-dessus pour créer un sentiment d'élargissement. Voilà, maintenant on va garder exactement les mêmes notes, sauf qu'on va doubler cette fois-ci le rythme à la main gauche pour qu'il colle note par note à celui de la main droite.
pour terminer vraiment au sommet, à l'apothéose du morceau, on va rajouter une tierce à la main droite pour donner encore un effet encore plus puissant, beaucoup plus massif au morceau. Une fois qu'on a fait toutes ces variations, il suffit de revenir au thème principal et de conclure. Donc voilà, maintenant on a un morceau qui ressemble plus ou moins à celui du style d'Einaudi, donc en très grossier parce que j'ai juste repiqué des techniques j'ai repéré la structure générale dans ces morceaux. Mais chacun de ces morceaux est bel et bien différent et il ne fait pas toujours la même chose, heureusement. Alors, si ce genre de concept vous plaît, donc de composer dans le style de tel ou tel pianiste, encouragez-moi, faites-le moi savoir en commentaire parce que j'ai déjà plein d'idées de vidéos pour la suite si ce concept vous plaît. En attendant, je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien!